it in the bottom. So much better. Maybe use a window shopper. You mad at me? I think I know why. Nigga, use a window shopper. Yep, les gens, c'est Versio, c'est Jojo, surtout pour une toute nouvelle vidéo sur Dofuston. J'espère que vous allez bien. Et comme vous avez vu juste avant le début de la vidéo, j'ai donné les 500 000 kama au gagnant qui se nomme Unnom. Donc bravo à toi. Donc je montre la preuve hein, pour les haters qui ne me croiraient pas que je donne les 500 000 kama. Et je relance du coup directement un concours. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, je fais un concours 500 000 kama à chaque vidéo. Donc pour cela, pour participer, vous devez vous abonner, laisser un like et laisser un commentaire. Donc dans ce commentaire, vous devez mettre une petite histoire de 2-3 lignes, une blague ou encore une question. Donc tout ça sur l'univers d'Ankama ou sur mon jeu, sur ma façon de jouer. Donc si vous me posez une question sur ma façon de jouer ou qu'est-ce que je pense de l'univers d'Ankama, donc vous faites ce que vous voulez, mais le temps que c'est sur l'univers d'Ankama, j'y répondrai. Aussi, j'aimerais que pour cette vidéo, je vais faire un test. J'ai enlevé l'overlay comme vous avez pu voir et j'ai mis en plein écran. Donc pour certains, ça sera plus agréable. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui trouvent que c'est mieux avec l'overlay comme dans mes dernières vidéos. Dites-le moi, je laisserai les overlays. Et s'il y en a qui préfèrent que je laisse en plein écran pour avoir une meilleure visibilité, dites-le moi aussi. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, je veux vraiment que vous me dites. Et pour mes prochaines vidéos, j'adapterai selon votre choix. Du coup, comme vous avez pu voir, une petite série PVP. Oui, je lance enfin une série PVP. Alors sur Dofus Touch, il y a très peu de vidéos qui ont été. Il y a très peu de vidéos de PVP ou alors très peu de vidéos sérieuses en mode PVP. Il doit en avoir 3, 4 ou 5 maximum. Et j'ai eu beaucoup de commentaires pour me demander à en lancer une. Surtout depuis que je demande de laisser des questions dans mes commentaires. Et franchement, je pense que ça va vous faire plaisir. Donc j'avais 30 millions de kama, même 34 millions de kama, oui, parce que je me faisais encore des kama hors vidéo. Et mon stuff m'a coûté 31 millions de kama. Et encore, j'ai pas réussi à le finir entièrement. Hein. Les gens, vous allez voir, là, il me reste 2 700 000 kama. Là, j'ai encore 2 millions en HDV, donc je vais me refaire encore des kama. Je vais remonter à 30-40 millions pour améliorer ce stuff petit à petit. Pour tout simplement faire un road to grade 10 comme vous avez vu dans ce titre. Voilà, là c'est le but. Le but ça va être de rush le grade 10. Et j'espère que cette petite série va vraiment vous faire plaisir. Donc là je vais directement vous montrer mon stuff pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc je vais essayer de faire rapide. Alors on va commencer directement avec les Dofus et les trophées. Donc j'ai farm pour avoir le Dofus Chaos. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps entre les Wabi qui agressent et le chemin. C'est vraiment super long. Donc un 62 sagesse pour tout simplement gagner 6 d'esquive PM et 6 d'esquive PA. En trophée, un robuste pour avoir les 42 puissances. Donc les coups critiques, je m'en fiche, je suis un sacrieur. C'est pas tellement utile, les dommages ne sont pas tellement EP avec des CC quand vous êtes un sacrieur. Et surtout les stuff vers le niveau 100 ne sont pas totalement EP pour les CC. Ensuite, un savant qui rajoute 30 d'intelligence, un voyageur qui rajoute un PM. Alors, ne me dites pas pourquoi j'ai pas mis une dragodin d'émeraude, tout simplement parce que j'attends que les dragodins d'émeraude et amande sortent, étant donné, à part si je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une dragodin d'amande émeraude sur le serveur. En tout cas, sur Oshimo, j'ai même contacté des grands éleveurs du serveur qui m'ont dit qu'ils n'ont pas encore de dragodin d'émeraude amande pour pouvoir l'obtenir. Dans une semaine ou deux, ils en auront sûrement une, et là je l'achèterai pour pouvoir compléter entièrement mon stuff. Donc en attendant, je suis obligé de garder ma dragon armure qui fait 5% reste partout et 50 de puissance. Donc c'est pour ça que je prends un voyageur qui malheureusement me fait moins 30 d'attaque et moins 30 de fuite. Mais ça, ce n'est pas grave. Vous allez me dire, t'es un sacrieur, Versus, t'es obligé d'avoir du tac et des fuites. Mais non, vous allez comprendre que je vais avoir vraiment beaucoup de PO avec cette panoplie. Et vous allez vite voir ça, étant donné que je suis un sacrifié, comme je pense que vous avez sûrement remarqué. Donc un insaisissable, 8 d'esquive PA tout simplement contre tout ce qui est Ral, donc Kra surtout, pour m'empêcher, Exelor aussi, pour m'empêcher de tout simplement ne pas jouer. Un fugitif pour les 8 esquive PM, donc ça c'est surtout contre les Kra et les Sadida, pour tout simplement pouvoir me déplacer, ce qui est la base des sacrieurs, le rush. Ensuite on va directement passer maintenant au stuff, donc la dragon d'armure, hein, donc là je peux pas cliquer, je suis après, il y a un petit bug. Une coupe de drague au quart, étant donné que je viens de passer feu, donc vous avez sûrement aussi vu la cinématique avant que je commence la vidéo où je suis devant où je suis à la milice et je passe Brakmarien. Donc j'espère qu'elle vous plaît, hein. Je vais essayer de faire à chaque vidéo PVP une petite cinématique comme cette dernière pour avec de la musique, etc. Et dites moi si ça vous plaît, tout simplement j'essaie vraiment de faire au mieux
à développer ma chaîne et à faire de la qualité. Ça me prend du temps, mais j'essaye de faire au maximum de la qualité, donc essayer de récompenser ça, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Du coup maintenant la suite du stuff, donc un chapeau Fedala qui normalement, si je me trompe pas, alors j'ai tout ouvert moi-même hein, ça m'a pris toute l'après-midi, donc normalement qui atteint maximum 62 vitalité, donc il manque juste un d'intelligence et 3 de sagesse, je l'ai over, 34 de vitalité. Je pense que j'aurais pu faire un 134. J'aurais pu faire un 130 de vita, mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Et pour 32 vita, je m'en fous un petit peu, même si c'est vraiment essentiel quelques points de vita en PVP. Ensuite, 39 d'intel, donc il en manque un seul. Il manque 3 de ça. Les résistances perfectes, ça c'est essentiel aussi. Alors pourquoi au niveau 109? Ah oui, mon stuff est niveau 105. Malheureusement, j'ai niveau 109. Je vais pas refaire un sacrilleur pour quel niveau près. Surtout que là, c'est la fin des vacances, donc je me suis dépêché pour vraiment vous sortir cette série de vidéos. Donc, stuff d'Alab, simplement parce qu'il y a énormément de résistance. Mais vraiment, quand je dis énormément, je suis à 25 OR. Et 15 dans les deux autres éléments. Donc je vous montrerai juste après les caractéristiques. Je vais essayer de ce que cette vidéo ne soit pas trop longue, surtout la présentation du stuff, pour essayer de vous montrer une partie de PVP. Donc la baguette de limbe, vraiment pas ouf hein. Je pouvais monter à 132 vita, mais malheureusement je voulais garder quelques kamas pour encore faire des astuces. Et surtout j'avais envie de faire la vidéo, tout simplement. J'avais vraiment envie de partir en mode PVP, parce que ça m'avait pris en tout 3-4-5 heures à faire tous ces FM. Donc là, vraiment une énorme cap Fedala. Vous allez voir. Alors normalement, voilà, ça monte à 45 de vitalité. J'ai over de 50. J'aurais pu faire plus. J'aurais pu tenter une ravie, hein, qu'un CC part et que je monte à 125 de vitalité. J'aurais pu tenter même 150, mais c'était vraiment trop risqué. Ça m'aurait pris 2 heures juste pour la cape. Donc il manque un seul de CC, si je ne me trompe pas. Ou alors il y a tous les CC, ça serait vraiment magnifique. Non, il manque un CC. Résistance perfecte, il manque juste 3 de résistance haut en fixe, donc c'est pas si grave que ça. Des tongaku, alors ça on ne peut pas les effets malheureusement. Donc qui augmente, voilà, donc c'est là que va constituer ce stuff, augmente la PO du sort absorption de 2. Donc ça c'est vraiment énorme. Vous vous rendez compte, un sacrilleur qui a 6 de PO avec une attaque qui rocks de 31 à 36 de... Non, niveau 5 c'est 27 à 31 de dommage. Et que je peux faire 2 fois, je peux vous dire c'est énorme. Donc on va se la jouer à la pso, à la flamiche. Ça va vraiment faire énormément de dégâts avec les 6 PM et l'attirance niveau 6 qui attire de 7 cases. Donc une ceinture fulgurante qui fait normalement 5 de dommages, donc il manque un de dommage, il manque 2 de sagesse. Mais elle est over 101 de vita, non 111 de vita parce que c'est 42 vita le maximum. L'anneau Fedala exo 30 de vita, alors lui il est vraiment splendide. Il manque juste un de soin. Non, il manque pas de soins. Il manque juste 2 de CC, je crois. Et il manque 3 de sagesse et 2 d'intel. Donc le jet est vraiment magnifique. Parce que, comme je vous l'ai dit, les CC on s'en fout pour un sacrilleur ici. Donc là, il y a un petit bug. Voilà. Donc là, un PA sans vitalité, un petit Jalano. Alors vraiment pourri ce jet. Donc la baguette des limbes et le Jalano, vraiment bof. J'ai vraiment pas eu de chance au niveau de l'FM. Les runes pavis ne passaient pas. J'avais vraiment un puits. J'avais un puits de 97,5. Donc je pouvais passer, je ne me trompe pas, 38 runes. Et il y en a que 10 qui sont passées. Donc j'ai vraiment eu de la malchance. Alors que la moyenne de passage est d'environ 12-13. Donc c'est assez dommage. Et pour finir, alors ce jet est magnifique. Il m'a pris environ 1h, 1h30. 5-6 gigas PA. Elle ne voulait pas. Le PA ne voulait pas casser. Mais le jet est vraiment magnifique. Il manque juste de 2 de soins. Mais le jet est over 100 de vita. Jet parfait en intel. Il manque 1 de chance. Là, je m'en fous, mais je la mets quand même. Le PA, il manque 1 de soin, non 2 de soins et 10% résistance R. Donc ce stuff est vraiment énorme. Donc je vais directement passer à un petit combat PVP. Donc je remets la vidéo dès que j'ai trouvé ce combat. Donc allez, à toutes les gens. Donc les gens, juste avant de mettre la partie PVP, là j'étais, je suis en train de refaire le montage, je viens de remarquer que j'ai oublié de vous montrer quand même les caractéristiques, donc ce qui est quand même très important, donc je vais de suite vous les montrer. Alors je regarde que j'ai bien mis les bons trophées, alors normalement c'est bon hein. Voilà, donc j'ai les bons trophées, maintenant je vais directement vous montrer les caractéristiques et après vous aurez le montage PVP juste après. Donc là je suis parchoté seulement 80 à 85 de sagesse quand même, je m'étais parchot, il ne me reste plus que 15 à parchot. Donc vous voyez j'ai 300 de sagesse quand même, donc je pense que la sagesse ça va quand même, j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup de ça. Alors après au niveau intelligence, je suis parchot 100 et du coup j'en ai 271, donc ça c'est pas énorme. Après je suis un sacrière, c'est pas le plus important. Niveau vitalité j'ai 1080 de base, donc ce qui est normal, j'ai monté tout en vitalité, je suis pas parchoté et j'ai que 790 en équipement. Après on va aller en détail. Alors au niveau de DPA, j'ai 11 PA pour 6 PM, 400 d'initiative, donc j'ai un trophée que je peux remplacer par l'insaisissable ou le fugitif qui me rajoute 400 ennemis mais qui me fait perdre 50 de vitalité.
Par contre, alors j'ai un de portée, donc ça c'est pas très grave. Par contre, j'ai que une invocation. J'attends toujours la Dragon Emerald Amande pour avoir ce deuxième invocation. Niveau, alors là, voilà. Là, niveau esquive PA, j'ai 38 d'esquive PA et 38 d'esquive PM. Alors ça, c'est vraiment énorme. C'est très compliqué de faire mieux. Parce que vraiment, tous mes items sont à peu près à 30-40 de sagesse chacun. Et j'ai aussi un Dofuscawatt et des trophées qui me rajoutent de l'esquive. Donc ça, c'est vraiment énorme. Après, au niveau de la puissance, j'ai 90 de puissance. Donc on passe de 270 d'intel à 360 d'intelligence. 4 dommages, ça, c'est pas énorme. Et après, au niveau des résistances, j'ai 5% fixe neutre. Non, 5%, oui, voilà, 5% neutre. J'ai 5 fixe terre, 5% terre, 0 fixe feu, 15% feu, 2 fixe eau, 25% eau. Donc ça, c'est vraiment énorme. 0 fixe air et 25% air. Donc franchement, je trouve que ce stuff, il est vraiment énorme. Alors aussi, en résistance GCJ grâce au bouclier, j'ai 15 de fixe eau et feu et 11 air. Donc voilà. Donc je trouve que c'est vraiment un bon stuff, donc je vous conseille vraiment. Alors malheureusement, moi je suis niveau 109, donc je vais demander à des développeurs que j'ai en contact s'ils peuvent me rétrograder de niveau. Alors ça m'étonnerait que ma demande soit acceptée, ça serait vraiment énorme s'ils le font, mais je pense que c'est du jamais vu si jamais c'est accepté. Parce qu'en fait je vais demander à être rétrogradé de 4 niveaux, je suis niveau 109. Et le problème c'est que je tombe contre des gens qui ont des stuff niveau 129, il y a énormément de monde qui joue les stuff niveau 129. Et du coup je suis pile avant niveau 2 et c'est assez chiant de tomber contre eux. Du coup je vais demander à réêtre ajusté au niveau de mon stuff. Donc je pense que ma demande va être refusée, mais on sait jamais. J'ai quelques contacts et ça serait vraiment sympa de leur part. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser avec le petit montage de la du mode du PVP. N'hésitez pas à laisser un like, à partager cette vidéo et à vous abonner. Donc si vous voulez participer au concours, bien sûr vous allez faire tout cela. Et n'hésitez pas à me dire au niveau du commentaire et au niveau du montage si cette vidéo vous a plu. Donc allez, ciao tout le monde.